C'est pareil dans toutes les auto-écoles, normalement, d'accord? Quand je travaillais à l'ECF, quand quelqu'un échouait, automatiquement il y a un bilan à faire derrière. C'est comme ça, d'accord? Non, non, non. Ouais, c'est un bilan pour voir un peu, c'est comme une évaluation, quoi. C'est quoi de faire perdre Donc c'est comme ça, c'est... C'est un bilan, une évaluation. Voilà, c'est ça, ouais. Maintenant, nous, parce que moi je parle plus gentiment que Sylvie. Je parle plus gentiment que ma patronne. Oui, mais je veux dire, ouais, mais c'est comme... Mais je me suis amélioré, hein, parce qu'avant je parlais comme ça. Mais je me suis amélioré, voilà, savoir s'assurer. S'installer, assurer la sécurité à bord, tu as eu un ou deux. Donc c'est que tu as bidouillé quelque chose en roulant. Ou quand tu avais la ceinture ou le moteur. Ici vous êtes toujours à gauche, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on va en face. En face? Ouais. Vous habitez où encore vous? Je ne me rappelle plus. Ah ouais, c'est vrai. Donc nous on fait demi-tour, on va vers la gare. D'accord? Vous êtes passé à pied là. Ah oui. Voilà. Par exemple, là tout de suite, il va dire monsieur, on ne redémarre pas en deuxième. On démarre en première. Ah oui. Ben ouais. Moi j'ai jamais vu dans le code, c'est pas marqué qu'on démarre en deuxième. Là ce clignotant à gauche. Voilà, tu mets la première, hop 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 hop, on y va maintenant, avant la camionnette. Voilà, en douceur, en douceur. Tourne, tourne, verra après, t'attends, tourne. Enlève ton pied de l'embrayage. En fait, quand je suis à pied, là, on fait demi-tour, hein, là, je sais que c'est la parking lot. Quand je suis à pied, j'ai du mal à voir les gens. Je suis très distrait sorti de ma voiture. J'ai croisé mon épouse, elle m'a dit, mais tu me reconnais pas? J'ai merde. Mais c'est ça, c'est sorti des voitures, j'étais très distrait en fait. Je sais pas pourquoi. Dans la voiture ça va, mais en dehors, je sais pas, je dois me détendre. Un truc comme ça, le cerveau il se détend un petit peu donc. Regarde, tu vois, t'as deux piétons là-bas pour le moment. Fais gaffe derrière. Le frein. Voilà, tranquillement. Tranquillement. Lâche embrayage. Continue. On roule. Il traverse pas. Voilà. Donc nous on va toujours tout droit, je te dirais qu'en tournée, hein, d'accord? Le pied devant le front au cas où. Voilà, toujours tout droit. Tu vois la couleur du piéton? À droite, dans la rue droite, comme dans la rue de gauche. Donc ton feu va passer rouge. Ce piéton est rouge. Le pied devant seulement, devant. Voilà, devant ce jour, le pied toujours devant, devant. On s'en fout derrière, il s'arrêtera, voilà, on repart. Là on peut pas s'arrêter. Voilà. Fais gaffe à gauche, il ne faut pas la route. Il est où le sens interdit que tu as pris là? Je sais plus. Ça fait ça. Bon. On roule. Bon, t'as vu l'examen, c'est pas compliqué. Non, non, c'est pas compliqué. D'accord. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est des trucs basiques. Hein. C'est pas... ouais. Maintenant, c'est vrai qu'ils vous font moins de cadeaux parce qu'ils savent que quelqu'un qui a une heure. Souvent, les auto-écoles ne tournent que là. Même s'ils ont 2 heures ou 4 heures, ils vont faire que le coin. Donc, c'est pour ça qu'il fait moins de cadeaux. L'examen. Ben, en fait, il y a l'appréhension d'examen. Et bon, ben, ça, c'est. On peut pas. On ne va pas toujours tenir compte de la pension, tout le monde y est passé. Hein. On va tourner à droite ici, hein, au feu. De toute façon, derrière.
pas que je conduise pour toi non plus. Ouais, c'est pas, demande pas où on va. Oh là. Regarde là, surveille. Ouais, doucement, doucement. On tourne à gauche maintenant. On tourne à gauche, à gauche. Je sais pas où c'est toi qui vois. À gauche. On va à gauche. Tourne la tête à gauche. Voilà. Clignotant toujours, clignotant toujours. Enlève clignotant, enlève clignotant. On roule, enlève clignotant. On roule. Pourquoi j'ai repris le volant? Deuxième. Pourquoi j'ai repris le volant? On roule. Pourquoi j'ai pris le volant? Vas-y. Je descends en mode gauche. T'étais entre les deux, t'étais comme ça. Donc t'es mal placé. C'est éliminatoire à l'examen. Surveille. Donc on fait le rond-point, on tourne à gauche, d'accord? T'es mal placé pour y aller, donc tu faut pas y aller. On tourne à gauche. Regardez, voilà. Qu'est-ce qui t'a fait hésiter sur le... Pourquoi tu tournes à gauche? C'est là. Ouais, c'est comme ça qu'on guide à l'examen. Il va pas te dire où c'est la route, il est pas là. Ils font pas une leçon. Hein. Rouge. C'est à gauche. Voilà. Il faut que tu imagines. Pardon? Je pense que c'est toi qui avait une croix qui partait à gauche. Voilà, c'est ça. Ouais, je sais, mais... Je demandais où à gauche. Faut pas, si on te demande de tourner, c'est qu'il y a une rue quelque part. C'est pas forcément un gros truc. Ça peut être une rue quelque part. Mais ils vont pas te dire. Nous, on va en face, toujours tout droit. Comme la noire là-bas. Comme la noire. Ouais, elle est placée là, la voiture. Noire ou bleue, je sais pas. T'es crispé, non? Ou... Je te crispe peut-être. Faut que tu sois détendu. Hein. T'étais détendu à l'examen ou... Mmh. Ouais. Donc nous on va toujours tout droit. Faire voir toi. Voilà. Ah, c'est marqué auto-école, hein, c'est pas marqué Ferrari. Hein. Tranquillement, voilà. Ouais, parce que t'en as, ils sont sur la voie droite pour tourner, et ils vont tout droit comme ils voient le feu vert. Enfin, donc toi, il faut que tu le vois parce que ça va. Bon, tu seras pas en tort, mais après tu vas abîmer ta bagnole. Après dans la rue tu regarderas si on peut faire un créneau à gauche, hein. Donc quand nous aurons le feu vert, quelle couleur sera en face le feu? En face, ce sera vert. Voilà. Maintenant, si tu as une flèche verte, à la place du feu rond, tout le monde aura le feu rouge.
droite, il y a le panneau rond, 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 là, il y a le panneau. Troisième, la troisième. Voilà. Et nous tournerons à gauche, après les feux. Un piège, ça vous le voir la route. Doucement. Non, laisse le frein. Première si tu veux. Lui lâche pas, voilà, il va tomber. On avance, petit coup d'œil à gauche, derrière l'angle mort, on tombe, 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 cheval, non plus, bon. Tant, gauche, tombe, c'est trop serré. Quand tu es parti du centre d'examen, tu as tourné au CD de passage à droite ou à gauche? Était vers le feu ou vers le rond-point? Vers le feu. On va tourner à droite. Hein. Ok, d'accord. Ah, après au feu à gauche? Après, non. Après il est allé à gauche au feu. D'accord. Et après il a pris à droite. D'accord. On tourne à droite. Après, il a pas pris l'autoroute, top, 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 top. D'accord, ok. D'accord. Regarde bien, parce que là ça vient vite. C'est mal foutu ici, mettre un miroir. Et on va tout droit. Tranquillement, ça sert, regarde la freine devant. Nous on va en face, hein, d'accord. T'as fait une manœuvre à l'examen? Ouais, la marche. Toujours de droite, attention derrière, droite, attention derrière. Ah, une marche arrière en ligne droite? Première. On roule. Stationnement en marche arrière. T'attends, parce que stationnement en marche arrière, moi, pas comprendre. On roule. C'est quoi stationnement? Ah, voilà, on roule. C'est mieux maintenant. Tu vois, on voit le stop à droite. Mais il y en a, eux, ils ne les voient pas, les gens de droite. Hein, fais gaffe. Hein. Avant, ça va. C'est bien, ils ont dégagé l'arbre. Là, c'est bien. On voit mieux. On roule. T'appuies. Troisième, tu fais le bruit de ton moteur. On roule. Voilà. Donc là, on peut aller où?
vois un truc qui clignote là-bas en face. Voilà. Voilà. Clignote en droite, toi. Tourne. On va se ranger à droite, là, si on peut, à droite. Un petit coup d'œil derrière, voilà. Donc là, c'est un rangement libre, donc tu rentres comme ça, tu vois. Sinon, il va dire, on fait un créneau, tu vois. Avance un petit peu, avance un petit peu. Doucement, voilà, top, top, voilà, que tu sois dans le problème. Voilà, bon, un petit coupe les feux, voilà, un coupe les essuie-glaces. Voilà, donc on va faire la question 45. Non, on t'a oublié quelque chose encore, regarde. Est-ce que tu vois bien devant? Oui. Ah bon? Ah, oui. Ah voilà, tu vois? Tu vois, c'est des trucs bêtes, hein? Clignotant. Voilà, clignotant. Maintenant, on y va. Petit coup d'œil derrière, ça t'embrayage. En douceur. Allez, roule. Tourne, n'accepte pas fort. Et on roule. Ouais, j'en ai un qui est parti comme ça, il pleuvait bien. Hein. Plein de buée partout d'un bagnole, pas d'essuie-glace. On fait 10 mètres, il arrête, puis il dit, demande à l'inspecteur, comment on fait pour mettre des embuages, monsieur? L'autre, il m'a regardé, il m'a dit, bon, tiens, tu viens prendre le volant, Richard, on repart. J'ai dit, vraiment, c'est... Je connaissais pas le gars. J'ai dit, mais t'es con, quoi. J'ai dit, je sais pas, ton moniteur, t'as jamais vu des trucs comme ça de base, le frein. Tu vas trop vite, regarde, tu vas trop vite, le frein. Voilà, tranquillement, surveille. Viens vers moi. On roule. T'as encore t'appuies sur l'embrayage, ça sert à rien. Pourquoi t'appuies sur l'embrayage? C'est éliminatoire. Ben, bien sûr, parce que en fait, quand tu appuies sur en deuxième, l'embrayage, c'est de trop. Donc tu vas abîmer ton disque d'embrayage et c'est éliminatoire à l'examen. Le point de patinage, ça se fait en première, c'est pas en deuxième. On roule. Et là, après la voiture, je sais pas comment bleu, là, on va tourner à gauche. Les rétros d'abord. Voilà, toi, on va tourner à gauche. On voit bien, on voit pas bien. Deux freins. Première. Voilà, avant, regarde à gauche. La première voiture, c'est à gauche. Tout hop, le frein. Petit coup d'œil, on roule. Là, toi, tu sors tranquillement, tu regardes à gauche. On roule. Après, on va arriver à un feu. Au feu, nous tournerons à droite. Il faut le mettre un petit peu plus, ce truc. Là, comme ça, ça t'embêtera pas. Voilà. C'est limité à. C'est limité à combien? 30. Bon, ben, tu roules à 30, pas 32. 31 maximum. 32, un radar peut te prendre à 32. Ou à 52. C'est pour ça qu'à l'examen, ils veulent pas qu'on dépasse le 20. Allez, c'est parti. Donc, on va à gauche. Hein. À gauche, les rétros d'abord. À être de gauche. Allez, on roule. Donc nous, on va à gauche, on suit droit. Normalement, l'embrayage, ça dépend comment. Si tu te sers comme ça, toujours sur ta voiture, l'embrayage en deuxième, tous les 50 km, tu vas changer. 50 000 ou 60 km. Allez, on roule, c'est sévère. On y va, monsieur, qui va dire, on roule. Donc nous on va à gauche. On l'a fini à temps. Tu vois combien c'est limité? Le frein. Tu vois combien c'est limité? Il y en a d'autres qui vont griller le feu rouge. Voilà. On y va. Allez, roule. Voilà. Toujours tout droit. Moi je surveillerai à gauche, il y a temps, et on roule, voilà, c'est 70, troisième, on roule, accélère, quand même, il y a temps, tu vois, il faut que tu montes, que on roule, accélère, voilà, là, allez, accélère, appuie, quatrième pour le moment, ça vient de passer vert, voilà, tu roules, viens vers moi, voilà, là c'est toujours 70, donc tu roules.
rouler à 65, ce n'est pas gênant, mais pas 60. Petit coup d'œil derrière, tu gardes le pied devant le frein. Ceci, les pompiers sortent, le feu passe rouge. On reprend l'accélérateur plein pour à fond. Tu vois, le feu à droite passe rouge, ton feu va passer vers le frein, le frein. Deuxième, le frein, le frein, le frein, le frein. Première, on ne peut pas dépasser par la droite. Voilà, tu avances, il y a un risque avec la voiture, c'est pas trop serré. En face, ouais, eux ils n'ont pas de stop, hein. Top, voilà. Encore une fois, quelqu'un. Bon, on y va. Ça aurait été mieux que tu serres à droite par contre. Ouais, parce que là, tu as un intervalle, donc dans ce cas-là, pour récupérer cet endroit-là, il faut que tu tournes la tête à droite. Tu vois? Parce que si tu tournes comme ça, gaffe, t'as double sens, hein. Doucement, ici c'est merdique. Lâche, merde. Donc on va où? Tu vois, comme ça c'est le natoire, avec la voiture à droite. Fais gaffe, hein, parce qu'il va te couper la route à gauche, regarde, regarde. Lâche. Ouais, faut pas que tu accélères là où tu n'as pas priorité. Tu freines, regarde, freine. Tu gardes le frein, derrière on s'en fout. Hein. Tu surveilles, il n'y a personne, on repart. Faut pas que tu t'arrêtes pas. Hein. Voilà, tu lâches. Tu freines, tranquillement. Voilà, comme ça, pas plus. Tu surveilles, tu fais gaffe derrière, on repart. Voilà, et on tourne à droite. À droite, voilà, attention à derrière. Voilà. Tranquille. Oui, deuxième, ça gêne pas. Oui, si tu veux, c'est pas grave. Allez, on roule. Petit coup d'œil à gauche, enlève clignotant. Voilà. Bien vers moi. Il s'arrête tout seul ton clignotant. Voilà. Tu vois, comme le panneau là, c'est pas interdit, tourne à gauche. Parce que dessous il y a un cartouche, donc on roule, on est sorti des 30, lâche, mets la 3, mais tu roules à cette allure, c'est pas gênant, accélère pas, petit coup d'œil, voilà, bon, allez, on roule, tu laisses rouler, lâche, voilà, là c'est 30, le frein, voilà. deuxième, le frein, c'est plus sûr en deuxième, on peut le prendre en troisième, mais c'est un peu chiant, le frein, voilà, tranquillement, voilà. Nous on va se ranger à gauche, les rétro, première, le frein, première, tu tournes la tête à gauche, lâche le frein, la puissance va chercher, le frein, tourne la tête à gauche, là tu tournes au, le frein, on avance un peu, on campe, top, le frein, on campe, top, mets les roues droites, voilà, ça c'est que tu te colles à côté de la voiture, parce que tu vas t'embêter pour sortir, parce que là on t'impose pas une voiture. Vous rangez à gauche. Contrôle clignotant, première, il n'y a personne. Toc, tu te ranges. On repart par là. Regarde à gauche, il n'y a personne. Le frein. Là, tu te fais éliminer aussi. Pourquoi ? S'il y a quelqu'un qui vient en face, il va passer où? Tant qu'à faire, ouais. Appuie sur moi, j'ai à fond. Voilà, vas-y, tourne les roues. Bon, c'est fait. Avance un petit peu. Remets les roues droites. Voilà. Bouge pas.
ton permis. T'as un qui ont le permis, se mettent à contresens et où ils te coupent la route, des trucs comme ça. Mais toi, t'as pas ton permis. Donc c'est dangereux. D'accord? Même s'il n'y a personne, c'est dangereux. C'est comme ça. Une, bah, je sais pas si je l'ai dit la première fois qu'on s'est vu. Quand tu franchis une intersection qui a une priorité à droite, tu n'as pas regardé, c'est considéré comme dangereux, donc c'est pas admis. D'accord? Et tu sors de la tourne les roues, tourne. Voilà, maintenant tu regardes derrière moi, tourne les roues, regarde derrière moi, tourne, vas-y, roule. Encore. Le frein bloque. Voilà, quelqu'un peut te dépasser. Le frein. Tu oublies quelque chose encore. Tu mets le clignotant à gauche, tu quittes l'arrêt. Là, et on y va. C'est la base, tout le monde a appris comme ça. Après, des habitudes, on fait autrement. C'est un peu bête, hein, mais c'est comme ça. On tourne à droite. Reste comme ça, t'es bien. Là, on tourne à gauche. Voilà, on roule. On va à gauche, on suit Paris. D'accord ? Tranquillement. Non, ici. Voilà, profite, les personnes sont bloquées. En fait, il faut que tu restes sur la droite. Là, ça vient de passer. Toi, on voit le piéton vert dans la rue de droite. Mets des vitesses. Voilà. Tu vois le piéton vert dans la rue de droite au-dessus du col. Et là-bas, au fond, il y a marqué au BAD. On voit le piéton vert aussi. Bon, il fait quoi, les visites ou, Donc, nous, on suit Paris. Hein. D'accélération, le bruit ce n'est pas important. Appuie, viens vers moi. Voilà, les vitesses, faut que tu restes à droite. Les gens qui connaissent pas le point, ils s'arrêtent, ils pensent qu'on a un feu rouge. Voilà, quatrième. Voilà, petit coup d'œil derrière toi, accélère, clignotant. Voilà, tranquillement, faut que tu vois derrière toi, hein. Dans la porte arrière. Derrière, voilà, en douceur. Il est comme toi, il va te protège, il est comme toi. La distance qu'on doit garder, c'est combien? Deux. Ouais. Tu lâches un peu. Tu peux mettre la cinquième avec cette voiture. Viens vers moi. Voilà. Voilà, tu laisses là. On va sortir à droite. Hein. On sort à droite. Fais gaffe derrière, rétro. Toujours. Voilà. Concentré sur quelque chose, tu vois l'ensemble de ce cas. Par contre, on roule. Tranquillement. Voilà, tranquille. Voilà. T'es 30 là pour le moment. Après, tu peux rouler. Voilà, maintenant, allez, t'appuies sur le champignon. Appuie. Voilà, après, t'es une zone 30, mais c'est pas encore. Lâche. C'est une priorité à droite ou pas? Alors, petit coup d'œil. Voilà, et on tourne à droite.
à gauche après le deuxième feu rouge. Deuxième feu rouge, d'accord? On va tourner à gauche après le deuxième feu rouge. Ça, c'est une ressentie derrière toi. Mais c'est vrai que le panneau est tranquille. Nous, on va à gauche après le deuxième feu rouge. Tu vois, là, tu te fais éliminer. Parce qu'il y a l'intersection, toi, t'es en troisième. Il y a toi à gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Attention derrière, hein, parce que lui, il s'en fout. Voilà. Qu'est-ce qui t'embêtait, là? Non, parce que tu es dans l'intersection. Dans le troisième, tu as le pied sur l'accélérateur. Moi, c'est pareil, je roule. J'ai le pied sur l'accélérateur. Il y a quelqu'un qui m'invite à droite parce qu'il sait que la priorité, il ne va pas regarder. Le temps que je change, j'ai une seconde, je tape la bagnole. Enfin, moi, tu t'appelles Superman. Quoi. C'est ça, en fait. Non, c'est comme ça qu'il faut que tu vois. Tu n'as pas le temps, parce qu'on te prévient qu'il y a une intersection, tu n'as pas priorité. Donc, tu es en deuxième, tu es tranquille. Mais non, ne prends pas de risque, ça ne sert à rien. Et on roule. Comme le bus là-bas. On va comme le bus, on roule. Pas le temps de rétro, c'est trop tard le rétrogradage. Ce soir je vais ce soir si j'ai le temps je vais mettre le film là sur je monte faire le petit montage, d'accord? Je vais mettre les commentaires, donc demain matin je vais le mettre en route parce qu'il me faut à peu près 4 heures pour qu'il soit sur la vidéo, d'accord? Et vous l'aurez demain après-midi en vidéo sur le site là, d'accord? Sur YouTube. Ouais. Astuce conduite 49, tout est collé. C'est ça en fait. Attends, je vais. On roule. Merde. On roule. Voilà. Prenez une photo. Là j'en ai fait un pour un élève mais j'ai pas mis encore sur le. Faut que je le poste mais c'est vrai que c'est pas rapide. C'est bon? Voilà, c'est là-dessus. On avait regardé un paquet. Ouais. Ils sont très bien. Il y avait à moi. Et là sur le trajet qu'on vient de faire, il s'est fait éliminer 5 fois. Déjà la dernière, l'intersection, trop tard, d'accord? La sortie du rangement bataille en marche avant, c'est à contresens. Le pied sur l'embrayage deux fois, une fois c'est éliminatoire, d'accord? Ah oui, ça c'est direct, hein. Quand j'étais à l'ECH, j'avais été en examen avec des filles que je ne connaissais pas. Et les trois se sont fait à journée à cause de ça. Et elles ne comprenaient pas les filles, donc quand je les ai ramenées, on en a discuté. Elle me dit, mais en leçon, nous on fait comme ça, on nous a appris comme ça. En fait, c'était ma collègue qui apprenait comme ça. Troisième. Donc moi, c'était, je suis pas le patron de l'autre école, hein, je m'en fous. Hein. Donc, mais j'ai dit, normalement, on n'apprend pas comme ça. Elle me dit, oui, mais nous, on ne sait pas. Je dis, ben, je sais bien que tu ne sais pas. Je dis, si on t'apprend des conneries, tu vas faire des conneries, c'est logique. Hein. Ça, c'est. Mais c'était comme ça. Et les trois sont faits jour à cause de ça. Et on ne prend pas l'embrayage pour ralentir. L'embrayage, c'est pour changer les vitesses. Le frein. Deuxième. Le frein doucement. Voilà, comme ça tu peux intervenir. Tu vois? Mais si tu es en troisième, tu peux pas. Bon, tu vois ce que je veux dire? Faut pas que tu penses que tu as le temps. Hein. Ouais, le temps, c'est. T'as pas le temps. Ou le fait de faire des démarrages, le CF, c'est pareil. Ça me prenait le chou ce truc-là. Comme c'est des voitures modernes, ils font l'achambrage d'un coup sec pour le démarrage. Donc j'ai expliqué, j'ai dit, mais quand tu auras ta voiture à toi, comme moi, quand j'ai appris à conduire, 2 ans après, j'ai acheté une 2 chevaux. Mais ça n'avait rien à voir avec la bagnole que j'avais appris. Et donc il a fallu que tout je remette en place. J'ai dit, tu auras une voiture pourrie, tu vas l'achambrage comme ça, tu cartonnes. Mais ils ne comprenaient pas les gens parce qu'ils ont appris comme ça. Ah, c'est ça, c'est. Renault 5. Et après j'ai une 2 chevaux donc je me suis emmerdé pour chercher les vitesses. Hein. Oh la vache. J'ai appris sur une 104. Une 104. Ah ouais quand même. Ah ouais une 104. De toute façon, voilà. Ah ouais c'est.
sur la 104 et j'ai passé le permis sur la 104. Ouais, quand je fais congé à ma fille, j'amène là-bas aussi pour qu'elle comprenne bien. Et après, on attend Paris toujours, on y va, on roule. Il y a un abruti qui est arrivé à fond, il m'a roulé à contresens, il m'a éclaté la bagnole. Comme dans l'île de Funès, pareil. Ouais. Ah ouais, j'ai eu peur. Hein. Deux chevaux. Ah ouais, deux chevaux, il n'y a plus de deux chevaux. Hein. J'ai mis un an pour me faire rembourser les frais. S'il était allemand en plus. Mais bon, c'est souvenir de jeunesse. Ouais, tu vois le panneau là. Lâche, voilà. Nous on est venu de la droite tout à l'heure, d'accord? Tu tournes, tu regardes à gauche, tourne, tire à gauche, tourne, regarde à droite, rapidement, tourne à gauche, ouais, voilà, faut que tu te mettes là, et après tu reviens à droite. Non, t'as pas pigé, on roule, accélère. Voilà. En fait, quand tu viens comme ça de la rue d'où on vient, là, on peut pas se mettre à droite directement, s'il y a une priorité à droite à faire. On roule, ouais, on va prendre ta place. T'as des endroits où c'est un peu merdique. Ah, tu surveilles, hein, fais gaffe, regarde. Tu vois, là, par exemple. Voilà. Tu vois, la dame, là, regarde, elle va traverser, elle va pas succomber de toi. Tonton. Voilà. Tu vois, t'as pas besoin d'embrayage, regarde. Un petit coup d'œil. Voilà. Regarde, il freine que le frein. Que le frein. Freine, il n'y a personne derrière. Le frein, doucement. Regarde, doucement. Touche pas l'embrayage. Là, je freine doucement. Allez, regarde, ça cale pas. C'est ça que je voulais te montrer. Ça cale pas, tournez rond. Il s'en fout, l'examinateur, viens vers moi. Mais si tu as appuyé en bas, tu remets le par en deuxième, c'est pas bon. Et appuie dans ça, tu appuies en bas, tu remets une vitesse inférieure. On roule. Tu vois, il y a une intersection là. Le frein. Deuxième, de frein. Parce qu'en plus, tu as une voie de bus. Donc, tu vas avoir un bus qui te coupe la route. Voilà, et on repart. Voilà, comme ça. Là, c'est comme un rond-point, donc on peut rouler. Tu vois, parce que c'est interdit de tourner là-bas. On y va, on roule, garde le pied. Voilà, et on va tourner à gauche comme le bus. Ouais. Tu penses à un rond-point. Voilà. Et tu tournes. Tourne la tête derrière toi. On y va. Ah, t'as pas besoin d'embrayage. Toi, t'as encore l'embrayage. T'es en deuxième. Pourquoi t'appuies? On roule. Accélère. Il s'en va. Voilà, on roule. Lâche un peu. Viens vers moi. Je vais te montrer un truc. Lâche accélérateur complètement. Il y a marqué quoi dans le bus là, le rouge en haut? Dans le bus. D'accord. Donc de toute façon, tu suis un bus, il va s'arrêter. Enlève, clignotant. Touche pas le frein, clignotant à gauche. Voilà, on y va, en douceur. Là, tu mets clignotant à droite, on reprend à droite. Lâche accélérateur. Voilà, et tu mets la deuxième tranquille. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est... Ouais. Mais... Lâche. Ouais. Ah, d'accord, lâche. Ah, bah, il y a un temps, ouais. On fait le tour, on va se garer là. Premier roulant. Putain, tu vas passer comme ça. Tu surveilles. T'avances. Fais gaffe à droite, entre les deux, là. Voilà, tu vois, comme ça, et on ressort, car là-bas, il y a une place. On est fini, attends. Voilà. On y va.
vas, enlève le temps. Fais gaffe, regarde-toi, tu perds du temps là, on roule. Regarde-toi, tu mets 3 heures. Maintenant, je t'ai dit, on passe là entre les deux bagnoles. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Faut pas que tu perdes trop de temps parce que on roule. On va s'arranger de l'autre côté en moto. Voilà. On va ressortir. Voilà, tranquillement. Voilà. On sort. Il y a une place là-bas. Derrière, après le A. Il faudrait qu'ils conduisent, que vous ne donniez pas trop d'indications. D'accord ? Il faut qu'ils soient autonomes. Il ne faut pas que vous lui dites